Voilà, bonsoir El Khorb. Nous allons ce soir, évidemment, le sujet est connu, Hanouka. Nous allons essayer, comme vous avez pris la bonne décision ce soir, de venir nous rejoindre. Pourquoi la bonne décision ? Parce que Hanouka n'est pas une fête qui se vit surtout au niveau des repas familiaux ou en amis. C'est vraiment une fête très spirituelle où les poskim, les décisionnaires cherchent à voir, trouver éventuellement une petite mitzvah dans le fait de prendre un repas ensemble, mais en vérité, ce n'est pas une fête que l'on fête comme Pessah, Shavuot, Sukkot, avec un beau repas. C'est une fête un peu spéciale. Et en particulier, c'est un jour où il faut justement réfléchir, penser, approfondir le sens de la fête, parce que c'est véritablement une fête qui est là pour nous faire réfléchir. Alors, on va, si vous voulez bien, lire d'abord un Rambam, à la page 2, référence 2. Le Beit Sheni, page 2, référence 4. Un Rambam qui se trouve, évidemment, dans une Hilchot Hanouka. Le Beit Sheni, à l'époque du second temps, Kshemalchei Yavan Gazrouk Zerot al Israël, lorsque les rois grecs ont décrété un décret sur Israël, ou Batlou Datam. Batlou Datam. Ils ont annulé, Bitoul, annulé, faire disparaître, Datam, leur religion, on va traduire ça comme ça, Velo Hinichu Otam, La Asok Batora Ova Mitzvot. Ils ne leur ont pas laissé s'occuper de Torah et Mitzvot. Alors la question ici que je vous pose, vous êtes des grands talmudistes, je le sais, les talmudistes apprennent à étudier Rambam. Le Rambam ici dit deux choses. Il dit Batlou Datam, ça veut dire Bitoul, annulation, Bitoul Chametz, c'est ce que c'est Bitoul Chametz. Batlou Datam, ils ont annulé leur religion, ça veut dire. Et deuxième chose, Velo Inichu Otam la Sok Batorah Mitzvot. Ils ne les ont pas laissés s'occuper de Torah Mitzvot. C'est quoi ces deux choses-là ? Je comprends. Ils ne les ont pas laissés s'occuper de Torah et Mitzvot. Mais c'est quoi Batlou Datam ? Ils ont annulé, ils ont voulu faire un bitoul, une annulation. C'est quoi cette bitoul d'Atam? Mais c'est pour moi que l'occasion de vous... Quelle est la définition de bateau d'Atam? Mais au-delà de cela, ce qui me dérange aussi, c'est dans le texte même de Al-Anissim. Nous venons de lire pour la première fois Al-Anissim. C'est écrit « Le hashkicham toratecha ». De faire oublier « Le hashkicham toratecha ». Ils ont voulu faire oublier ta Torah. Qu'est-ce que c'est le hashkicham toratecha? Comment on fait oublier la Torah à quelqu'un? Je viens chez quelqu'un, je lui dis, écoutez, monsieur, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir faire Shabbat. Vous n'allez pas pouvoir faire Rosh Chodesh, la Mila, d'accord. Mais comment on fait oublier à quelqu'un sa Torah? Comment on fait? Allez-y, comment on fait? On peut l'empêcher d'étudier. Mais comment on le fait oublier la Torah? On peut l'empêcher d'étudier, on peut l'empêcher de pratiquer. Mais comment on fait oublier les hashkicham Torah Techa? C'est quoi cet acte qui s'appelle faire oublier? Je ne connais pas, moi, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est quoi les hashkicham Torah Techa? On est venu faire oublier. Comment on fait oublier quelqu'un quelque chose? Je ne sais pas, moi, on arrive chez quelqu'un, il oublie. Mais il n'oublie pas lui, il est c'est dans lui. C'est quoi les hashkicham Torah Techa? C'est ça qu'en fait que je voudrais ici aujourd'hui étudier avec vous. C'est quoi cette dimension de shichrat la Torah, d'oubli la Torah? Il se trouve que j'étais particulièrement sensible à ça parce que je sais comme vous que chaque Hanouka correspond toujours à la paracha de Miketz. Et dans paracha de Miketz, on parle de shichrat, on parle d'oubli. Je vous invite à regarder page 3, référence 1. Laïm Iket Shenataim Yamim. Page 3, référence 1. Ce fut à la fin des deux ans. Je vous rappelle tous que vous connaissez tous l'histoire. Yosef Hatzadik est en prison.
parce qu'il a été faussement accusé par la femme de Potiphar. Et on nous dit qu'il y a eu à la fin des 2 ans. Mais on sait tous que la prison, il y a passé 12 ans. Alors c'est quoi à la fin des 2 ans? Vous savez tous, c'est qu'il a passé 10 ans, et qu'à la fin de ces 10 ans, il y avait le Sarah Mashkin, le maître des chansons, à qui il a demandé une intervention. Il lui a dit, s'il te plaît, parle de moi par haut. Et suite à cela, on le lui reproche, il s'est pris 2 ans de plus, 2 ans de plus, parce qu'il a demandé au Sarah Mashkim, au maître des chansons, d'intervenir pour lui. 2 ans de plus. Alors, ici, c'est ça veut dire, Miketch Nataimim, à la fin des 2 ans, quels 2 ans? Les 2 ans qu'il a pris en plus, Ketch Sam Lachosher. Une fin, il a mis au Chosher à l'obscurité, Zman Natan Yosef Kamashanim Yaseba Fela Bevet Asurim. Il a été donné un temps à Youssef, combien d'années il resterait d'Afela dans l'obscurité de la prison. Ça veut dire qu'en fait, le Midrash volontairement fait entrer ici encore une fois une notion d'obscurité. Et Afela, il est dans un endroit obscur. Mais c'est en fait qu'un petit élément, parce que si vous regardez bien dans un autre texte qui est aussi chez vous, page 2, référence 5, c'est un Zohar, le maître des chansons ne se souvient pas de Yosef et l'oublia. Puisqu'il est dit qu'il ne s'est pas souvenu. On se souvient pas, donc on oublie, non? Qu'est-ce que c'est que cette redondance? Il n'a pas, il ne s'est pas souvenu et il a oublié. Et là, atar de itbe shichecha. Dit le Zohar Kadosh, un lieu, atar, c'est un endroit où il y a l'oubli. Vedahu ketz de sitra de chosher. C'est la fin de la force du reshut de l'obscurité. Vayi miketz nataim yomi mai b'shnataim de tav darga le darga de itve srira. Il est retourné au niveau qui s'appelle zechira. Zechira, ça veut dire souvenir. Il était allé dans un endroit qui s'appelle shichecha, oubli. Il a retrouvé la dimension de zechira, du souvenir, du rappel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il ne s'agit pas simplement d'un fait historique. Ah, il a oublié. Le maître des chansons a oublié Youssef. C'est pas qu'il y a ici un oubli fort. Bon, on nous raconte une histoire. Vous savez, il l'a oublié, donc il est resté 2 ans de plus. Non. C'est que le Zohar Kadosh, on dit qu'il est tombé en disgrâce. Quelque part, il était oublié. Pas seulement par le maître des chansons, par un Kadosh Baruch. Un Kadosh Baruch a mis une distance. Comme lorsqu'on parle d'oubli, c'est que les choses ne sont pas présentes dans notre esprit. C'est pourquoi ça veut dire oublier. C'est pas clair dans mon esprit, c'est pas présent dans mon esprit, donc j'oublie. Ainsi, Yosef a été oublié. Il est rentré dans l'oubli. Et il y a un moment, Zahora, on s'est souvenu de lui. C'est pas simplement parce qu'il s'est souvenu de lui, c'est qu'il est remonté à la surface, entre guillemets, Hachem, l'a ramené vers lui. Il est tombé dans l'oubli, il l'a ramené vers lui. Cette dimension de shichecha, d'oubli, je vous invite à y réfléchir d'ailleurs aussi, c'est le même mot que le mot chosher. Chosher, c'est obscurité. Shichecha, ça veut dire oublier. D'ailleurs, souvent, les choses qui ne sont pas claires, qui sont obscures, on dit voilà, c'est obscur, on les oublie beaucoup parce qu'on les oublie, parce qu'elles ne sont pas claires. Les choses qui sont très claires, elles sont là dans notre esprit, elles sont présentes. D'accord? Donc, on a ici, j'insiste dans ce cours, sur la dimension de l'oubli et la dimension de l'obscurité. Et je vais expliquer, évidemment, ce que ça veut dire. C'est le but de ce cours, je ne vais pas vous expliquer depuis tout le début, j'ai besoin de construire la chose. Mais comprenez bien que j'ai trouvé ça ici intéressant, qu'on trouve les Grecs qui, comme on va d'ailleurs encore le prouver, regardez, un autre texte pour rentrer toujours dans cette approche, on parlait de Rocher, regardez bien, prenez page 3, référence 5, Rocher Zougalut Yavan. Vous savez que le mot chosher est utilisé dans Brit Ben Avetarim, l'alliance entre les morceaux. Il y a Abraham Avinu qui dort dans l'obscurité. Chosher. Chosher Zougalut Yavan. C'est une annonce. Abraham perçoit l'exil grec. Au moment où il est dans l'obscurité, il perçoit l'exil grec. Sheir Shicha Enehem, Sheir Israël Bixerotehem. Elle a obscurci les yeux d'Israël par leur décret. Chez Ayou Omrim, il disait, Kitvoua Keren Hashor, écrivez sur la corne du taureau, chez En Lachem Chelek Beloke Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Donc, encore une fois, une insistance sur le mot Rocher, obscurité.
Et un truc bizarre, on va l'expliquer plus tard, il faut mettre sur la corne d'un taureau qu'on n'a pas de part dans le lieu d'Israël, c'est un truc bizarre. On va expliquer Bezrat Hashem plus tard, mais j'insiste sur ce principe. Rocher Shichecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont obscurci, qu'ils ont fait oublier. C'est quoi cette histoire de... C'est quoi? C'est une image comme ça pris par hasard? Pourquoi on ne dit pas ça, par exemple, des Babyloniens, des Perses? Ils n'ont pas été sympathiques avec nous. Pourquoi est-ce que l'obscurité, c'est quelque chose qui est plus matim, plus proche, plus caractéristique de Yavan que tout le reste? L'oubli et l'obscurité. Et on trouve ça chez Yosef également. Alors c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Les choses que je vais vous dire aujourd'hui, je les ai prises chez mon maître, le Rav Moshe Shapira, et chez le Rav Goldwirth dans son livre Asufat Ma'arachot. J'ai fait un mixte. Voilà. Voilà les sources. Maintenant, nous allons expliquer un petit peu les choses, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Bezrat Hashem, j'espère pouvoir bien l'expliquer. La première chose que je voudrais ici dire, c'est des choses très simples. C'est page 3, référence 2, un Rabbeinu Yonah dans un vote. Rabbeinu Yonah dans un vote, qui teva haguf meshaker. Page 3, référence 2. Teva haguf meshaker. La nature du corps, c'est de faire oublier. Vechia seish davar kiur veyitbayesh alav bune adam. Lorsqu'un homme fait quelque chose de mal et qu'il a honte, le shana ou le shanataim ishakach hadavar. Après un an ou deux, on oublie. Heureusement. On se prend une honte catastrophique, d'accord, devant tout le monde. La honte. On dit, j'ai vécu vraiment la honte. Après qu'un certain temps, on oublie. Et comme on oublie, la honte s'atténue. Heureusement. Vegam qui le ishakar milibo le gabre, même s'il n'oublie pas totalement, yaboshet yashan noshan, osrak satabusha, même s'il n'oublie pas totalement, mais ça prend de l'âge, ça vieillit. Donc ça n'a pas la même. On ne ressent pas de la même façon. Ki teva shichecha shebaguf, mitarev im teva nefesh, parce que la nature du corps, c'est justement l'oubli, et ça se mélange avec la nature de l'âme. Vagam qui est noyachol et gaber alav lishkoach hadavar legamre, même s'il ne peut pas totalement l'oublier. Al kol panim et gaber alav l'ikyashen hadavar shuktsad hashicha. Même s'il ne peut pas totalement l'oublier, mais comme il est dans un corps, il oublie. En fait, il fait une allusion à quelque chose de très simple, Rabbeinu Yonah, c'est qu'après 120 ans, on n'a plus de corps. On arrive là-haut, et là, on nous sort les dossiers. Les dossiers sont des fois assez épais. Et le problème, c'est qu'on a honte. On a honte devant tout le monde, et le problème, c'est qu'on n'oublie pas. C'est ça le gros problème là-haut, c'est qu'on est une néfèche, on est l'âme sans le corps. Ici sur Terre, c'est pratique. S'il y a quelque chose de désagréable, on refoule, on l'oublie parce qu'on a le corps qui nous aide à le faire. Là-haut, c'est un peu plus embêtant. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire attention à ce qu'on fait ici pour ne pas prendre l'archoma, comme on dit en Alsace, plus tard. Arbiota nefesh levada, continue Rabbeinu Yonah. S'il n'y a plus que l'âme, en shicha lefanea, l'oublie pas. Tikula vara vezaka. Elle est entièrement propre. Elle n'est absolument pas matérialisée, donc elle n'oublie pas. Ça, c'était une première introduction à Rabbeinu Yonah. Maintenant, je voudrais étudier avec vous un passouk qui se trouve à la page 4. Qui va commencer à nous ouvrir un peu la voie. Le Raïtiani dit Kohelet. Kohelet, c'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit. Ra'iti ani, j'ai vu, sheyesh yitron achochma mina sichlut. Je m'ai aperçu que la sagesse est supérieure à la folie. Ki yitron haor mina chosher, autant que la lumière est supérieure aux ténèbres. Moi, je ne suis pas Shlomo HaMelech, il dit la veille, je ne suis pas Shlomo HaMelech, loin de là, très loin de là, très franchement, j'aurais pu écrire ça. Et je pense très franchement que beaucoup d'entre vous auraient pu l'écrire, je pense que tout le monde aurait pu l'écrire. Et je pense que, pas seulement beaucoup d'entre vous, tout le monde aurait pu dire la même chose. Vous savez, la sagesse est supérieure à la folie. Vous savez pas? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre en Kohelet? C'est pas n'importe quoi, c'est pas un livre écrit par le plus sage de tous les hommes. Il nous dit, vous savez, eh bien, la sagesse est plus grande, mieux que la folie, puisque, comme la lumière est mieux que l'obscurité, magnifique, magnifique. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris? Des mecs, quel chat. Tous les rishonim se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, Shlomo HaMelech. Quel chidouche, qu'est-ce qu'il nous a appris ici? C'est mieux d'être sage que d'être fou. Et que c'est aussi, il y a autant de différence entre la sagesse et la folie qu'entre la lumière et l'obscurité. Évidemment, badaï. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Et c'est là que le chidouche commence un petit peu à apparaître.
Le Hakeda, c'est un des grands sfarim de Rishonim, le Baal Hakeda, il explique la chose suivante. Écoutez bien l'image. Vous vous trouvez dans une pièce sombre. Une pièce tout à fait sombre. Bon, pas de lumière, cherchez l'interrupteur, vous appuyez, coupure d'électricité, manque de bol. Bon, vous êtes là, vous ne connaissez pas du tout la maison, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas. Vous rentrez, pas de lumière. Qu'est-ce que vous faites? Vous marchez un petit peu, hop, aïe, 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 je me suis cogné le genou sur une chaise. Bon, j'avance encore un petit peu, boum, je rentre dans une bibliothèque. Après, il y a la table. Qu'est-ce que je fais? Je fais un certain nombre d'expériences pas très sympathiques. Je me casse la figure, je me cogne, je machin. Puis finalement, je dis oui, oui, j'ai compris. Là, à cet endroit-là, il y a une chaise. Là, il y a une table. Là, il y a une bibliothèque. Là, il y a un pupitre. Là, il y a une armoire. Voilà. Vous, mémo, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des expériences négatives. Vous tâtonnez. Et finalement, vous avez une image, plus ou moins, bah, pas claire du tout, justement, mais une image sombre de ce qui se passe dans cette pièce. Mais vous savez plus ou moins relever où se trouvaient les obstacles. Vous allumez la lumière, là, le contact est remis, là, on a réparé le problème, il y a de nouveau l'électricité. La lumière fut, parce que la lumière fut dans votre chambre, vous dites, ah oulala, aucun rapport, c'est pas du tout ce que je pensais, moi je percevais que les tables, les chaises, etc. Ben, elle est magnifique cette pièce, magnifique, quelle ambiance, quelle couleur, quel jeu de couleurs, de lumière, de machin, vous êtes là, admiratif, c'est la lumière. La différence qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, on est bien d'accord, c'est quelque chose d'important. Je viens d'écrire dans une situation bien donnée la différence entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, la chorma et la folie, le Rav me dit que c'est le Baal Hakeda, c'est pas la folie idiot. N'importe quoi, c'est pas ça. Il y a deux approches de chorma. Il y a une chorma empirique, ça veut dire que je fais des efforts, je fais des expériences. Je ne me base que sur ce que je ressens, ce que je vois. Donc je fais une expérience. Là. Ah oui, là je me suis cassé la figure, donc c'est dangereux là. Je fais des expériences multiples et deuxième lecture, j'allume la lumière. Il y a chorma et sikhlout. Chorma et sikhlout, c'est pas l'intelligence et la folie. Il faut pas traduire comme ça. Sikhlout, c'est le chemin du fou. C'est le chemin du bête. Chorma, c'est le chemin du chacham. Il y a deux approches dans la vie. Il y a l'approche de mettre la lumière et il y a l'approche du tâtonnement. Est-ce que jusque-là c'est clair? C'est facile. C'est-à-dire, vous avez compris que Sikhlout, le Sakhal, ce n'est pas l'idiot. C'est quelqu'un qui fait des expériences, mais sans lumière. Tout ça, ce sont des introductions. Vous avez compris, après je vais vous les répéter, comme ça vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. Mais une introduction, a priori, n'est pas liée à l'autre. Mais les Anachem, vous allez voir que c'est très lié. Il y a une Gemara, que je voudrais étudier avec vous, à la page 3, référence 6. Kivan Shigatsa Lavir Olam, Niftach Asatoum, Venistam Apatouar. On parle d'un fœtus au moment où il sort du ventre de sa mère. Lorsqu'il sort de son ventre, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il sort à l'air libre, Niftar Hasatum s'ouvre les organes qui étaient fermés, Venistam Apatouar. Et ce qui était ouvert se ferme. Shima Leken Enoyachol Ichyot. Sans cela, il ne peut pas vivre. Afilu Shahat, même un instant. Vener Dalouk Lo Al Rosho. Il a une bougie allumée sur sa tête. Vetsofe. Où m'habite, mis sauf à Olam vers Tsofo. Il observe, il regarde d'un bout à l'autre du monde. Chenemar behilo nero aleroshi. L'euro est l'air cocher vers Tetame, chari Adam Yashenka. Ne sois pas étonné, parce qu'il y a un homme qui dort ici. Veroe chalom vers Spamia. Et il peut voir en rêve ce qui se passe à Spamia. Ça veut dire, on est en train de dire qu'un fœtus, il a une lumière sur sa tête, d'accord? C'est vrai que sur l'écho, ça apparaît pas trop. Hein. Ne cherchez pas sur l'échographie trop longtemps, vous risquez de ne pas voir cette lumière allumée. Pour une raison que nous allons expliquer. Donc, il y a une lumière allumée sur sa tête, et il voit d'un bout à l'autre du monde. Ah, ça t'étonne, comment est-ce qu'on peut voir d'un bout à l'autre du monde? Il est dans le ventre de sa mère, enfermé, il voit l'autre bout du monde. Oui, si tu es en train de rêver, tu peux rêver, là maintenant tu dors, tu es au cours du Rav Gué, tu t'endors parce qu'il prend la tête, et à ce moment-là, tu... est en train de rêver, tu es dans les Caraïbes, en train de te dorer au soleil sous les cocotiers. Magnifique, tu entends le ressac de l'eau qui vient, nos turquoises, magnifique. Donc tu es là, mais voilà, tu rêves de l'autre bout du monde. Donc c'est possible de voir d'un bout à l'autre du monde. Ensuite,
ימים אין לך אדם שאדם ימים שאדם שרוי בתורה בטובה יותר מאותם ימים. Il n'y a pas de jour plus beau pour l'homme que ces jours-là. Il faut savoir que la plus belle vie, c'est dans le ventre de notre mère. Sa plus belle vie que nous puissions avoir, c'est dans le ventre de notre mère. Il n'y a pas de meilleure vie que lorsqu'on est dans le ventre de notre mère. Chez les Maritaniques, etc. Ensuite, je continue, je saute à l'île. « Umelamdim oto kol haTorah kula » On lui enseigne toute la Torah. « Kol haTorah kula » Toute la Torah. Chez Néma, Vayorin et Vayomerli, j'ai sauté les preuves. Là-dessus, de Kevan Sheba Lavirolam, dernière phrase, dernière ligne, lorsqu'il arrive à l'air libre, Ba Malach Ustawapi. Il y a un ange qui arrive et qui nous donne un coup sur la bouche, ou Meshakro Kolatora Kola, et il oublie toute la Torah. Vous entendez? Il y a un ange qui, au moment de la naissance, nous donne un coup sur la bouche, certains disent que c'est l'endroit là, bon bref, porte, disent, et à ce moment-là, on oublie tout à temps. Magnifique cette histoire, moi je trouve ça sympathique, quelle belle Gemara. On apprend, on connaît toute la Torah, après on oublie, magnifique, un petit coup, magnifique. Alors, le Maharal de Prague, il explique en fait, qu'il faut comprendre cette Gemara un petit peu moins simplement que ce que je viens de dire. Il dit qu'en fait, toucher la bouche, que le malach, l'ange, touche la bouche, ça veut dire qu'il donne quoi chadibou, la force de la parole. Lorsque l'homme parle, lorsqu'il a le quoi chadibou, vous comprenez ce que ça veut dire, à ce moment-là, il oublie toute la Torah. Pourquoi lorsqu'on accède au quoi chadibou, à la force de la parole, on oublie toute la Torah? Vous savez pourquoi, vous? Quel rapport entre la parole et le fait d'oublier toute la Torah? Alors, quoi chadibou, la force de la parole, c'est pas comme on le comprend simplement le fait de parler. Le fait de dire bonjour monsieur et au revoir monsieur, c'est pas de ça dont on parle. Koach HaDibour, la force de la parole, c'est une force dans laquelle la partie spirituelle et la partie matérielle de l'homme s'associent. On va dire même plus que ça, se lient très fortement. Ça veut dire qu'avant que l'enfant sorte du corps de sa mère, il a sa neshama, son âme, qui n'est pas à l'intérieur véritablement du corps. L'âme, elle est au-dessus du corps, c'est ça, cette nerf d'alouk. Il a une âme, mais cette âme, elle n'est pas enfermée. Moi, j'ai souvent donné cette image. On a l'impression que notre cerveau, c'est celui qui nous permet de tout voir, de tout comprendre, c'est vrai. Mais en vérité, sans cerveau, on voit plus qu'avec le cerveau. Parce qu'après 120 ans, lorsqu'on sort du corps, de notre corps, on a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus puissante que lorsqu'on est à l'intérieur de notre corps. À la limite, le cerveau, c'est comme une chape de plomb qui bloque et qui ne permet de rien voir si ce n'est à travers la logique des neurones, des synapses et compagnie, c'est-à-dire de l'appréhension cérébrale. Mais en vérité, sans cerveau, donc s'il n'y en a que Neshama, on n'est que Neshama, on voit beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, etc. Donc, lorsqu'on nous dit qu'au moment de la naissance, l'enfant accède à la parole, ça veut dire qu'en fait, on est en train de dire que l'âme pénètre dans le corps. Ce qui se révèle à travers une vraie parole, parce qu'une vraie parole, c'est rare. Une vraie parole, comme je dis si souvent, c'est pas de passe-moi le sel et quel temps il fait dehors. Une vraie parole, c'est quoi? C'est de dire quelque chose, de dire une phrase, de dire un mot, pas obligatoirement un grand chidouche, mais un mot dans lequel il y ait une force spirituelle associée à une vraie ressentie matérielle. Vous savez, vous êtes là dans ce cours pour différentes raisons. Pour une raison, je veux dire laquelle. Vous dites peut-être qu'il va dire une phrase, il va dire un mot, peut-être qu'il va dire quelque chose qui va me toucher, qui va me changer ma vie. Quelque part, on a tous envie de changer vie, envie d'être touché, de comprendre la Torah, d'être touché par elle. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire, moi, lorsque je vous parle? Je dis, il faut que je trouve des mots, je trouve des images, je trouve des façons de transmettre un savoir. Ce savoir doit être le plus vrai possible, le plus authentique, mais il doit être quelque chose que vous compreniez, qui vous parle, d'accord? Qui vous touche, qui vous parle, qui correspondent à un sentiment, à un ressenti, sans être un ressenti purement matériel, purement concret, mais un ressenti, quelque chose qui vous parle. Donc on cherche des images. En fait, la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est prendre des mots qui sont évidemment pris de notre quotidien, des images, et mettre un contenu dans ces mots-là, que les mots portent ce contenu. J'ai une idée en moi, je vais vous la passer. Mais comment je vous la passe?
Alors j'aimerais bien vous envoyer le ballon et vous la recevez, mais ça ne marche pas comme ça, c'est embêtant. Il faut que je trouve des images, des mots, pour pouvoir passer ces concepts. Vous êtes d'accord? Maintenant, la force de la parole, c'est aussi une force réductrice. Pourquoi? Parce que lorsque je suis devant un grand, un très très beau spectacle, je dis, je n'ai pas de mots pour le décrire, n'est-ce pas? Lorsque vous avez un sentiment très fort, vous vous taisez. Un sentiment très fort, c'est tellement fort, vous restez sans mots. Je n'ai pas de mots pour décrire. Je ne peux pas dire, je ne peux pas parler, c'est trop fort. Dès que vous êtes dans la parole, vous réduisez, vous descendez, vous n'êtes plus dans la dimension de la marche avant, vous êtes déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus obscur parce que vous êtes obligé de transmettre. Mais en vérité, le Rav nous a inscrit à l'heure Chidouche. Il y a peu de gens qui sont arrivés à la madriga de la marshava. Marshava, ce n'est pas que penser dans sa tête. Marshava, c'est être capable de se détacher du mot, détacher du ressenti, être capable d'appréhender la chose dans sa lumière elle-même, en elle-même, sans passer sans arrêt obligatoirement par un ressenti, par un concret, par quelque chose. Essayer de toucher le fond d'idée, le fond de la chose, sans être obligé de faire comme une parole. C'est quoi une parole? Je mets des lettres l'une à côté de l'autre. Je lis des mots l'un avec l'autre, je mets des phrases l'une à côté de l'autre, j'essaye de donner des images, etc. C'est ça la parole. En vérité, si vous réfléchissez bien, dans votre pensée c'est des paroles que vous mettez les unes à côté des autres. C'est ça votre pensée. Votre pensée c'est mettre des paroles, c'est mettre des éléments disparates. Mais lorsque vous sentez la vérité, vous rentrez dans le fond des choses, il n'y a plus de paroles. Vous pourrez ressentir ça lorsque vous avez un sentiment très fort. Un sentiment très très fort ne peut pas être dit, ne peut pas être décrit. Vous dites qu'il n'y a pas de mots qui expriment ce que je ressens. Je suis devant un phénomène, devant un paysage tellement beau, je n'ai pas de mots pour pouvoir l'exprimer. Sinon, si je dis des choses, je te dis, voilà, tu sais, là il y a une montagne enneigée qui fait à peu près 3000 mètres. Je dis d'accord. Puis à côté, il y a une autre montagne qui fait 4000 mètres. Ah oui, d'accord. Puis après, il y en a une autre qui fait 5000. Ah, mais c'est très beau. Et alors, ben voilà, j'ai noté 3000, 4000, 5000. Il dit, ben non, ça suffit. Je suis là, j'ai envie de jeter le téléphone. Il dit, ben ça suffit, c'est pas ça, t'as pas compris. Mais c'est harmonieux, c'est beau, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se dégage. Il dit, t'es gentil, mais explique-moi, alors qu'est-ce qui se dégage? J'ai rien compris. Bon, merci, au revoir. C'est ça la vérité. C'est que tant que je n'ai pas vu la chose, je ne sens pas ce qu'il ressent ce monsieur, cette harmonie, ce côté majestueux de ces montagnes, j'entends des descriptions qui ne veulent rien dire en réalité. C'est des éléments qui s'associent, mais je n'ai pas la chose. Vous voyez, c'est un peu comme cet homme qui rentre dans la chambre obscure. Il va vous dire, oui, il y a là-bas une table, il y a une chaise, il y a une armoire, il y a un pupitre, il y a une bibliothèque. Très bien. Il note. Est-ce qu'il a vu la chambre éclairée parce qu'il y a une coupure d'électricité? Puis maintenant, ils ont remis l'électricité. On est bien d'accord que ce n'est pas du tout la même chose. Ce qu'il voit lorsqu'il a la lumière et ce qu'il perçoit lorsqu'il fait ses expériences et qu'il tâtonne tout autour de la pièce. On est d'accord, la différence est énorme. Voilà, ce que c'est Dibour, ce que c'est Marshava. En vérité, la dimension obscure est une dimension d'expérience, de ressenti d'expérience, alors que la dimension de lumière est une véritable apparition, une véritable vision des choses. Lorsqu'on nous dit que le fœtus a une lumière sur sa tête, vous savez, lorsque je veux voir ce livre, il faut qu'il y ait une lumière, pas sur ma tête, hein. Il faut une lumière là. Donc si c'est allumé, je regarde, ah tiens, c'est éclairé, je peux lire, n'est-ce pas? Mais si je dis qu'il y a une lumière sur sa tête, ça veut dire que lui, le fœtus, il porte une telle lumière en lui, qu'en réalité, tout s'éclaire autour de lui. C'est que la lumière est en lui, et grâce à cette lumière, il voit tout, il comprend tout, n'est-ce pas? C'est pas qu'il bénéficie d'une lumière externe qui lui permet de lire un livre, non, c'est pas ça qu'il dit. La lumière, elle est en lui. Et cette lumière qu'il a en lui lui permet de tout comprendre, de tout percevoir, de tout décrypter, de tout voir tel qu'elle est. En clair, ce que je voudrais vous dire, c'est très simple, c'est que depuis que les Grecs sont là, et les Grecs vont comprendre ce que c'est, on est dans une obscurité. Ça veut dire qu'on est tous passés dans une apparition de Torah qui n'en fait n'est pas une compréhension de la Torah, une vision de la Torah. On est en train de faire tout simplement du tâtonnement. On dit, bon, c'est quoi Shabbat? Ben, Shabbat, vous savez ce que c'est? C'est interdit de porter. Ah, d'accord. Et Shabbat, vous savez ce que c'est? C'est interdit d'allumer un feu. Ah oui, et Shabbat, c'est interdit d'allumer la lumière. Très bien. C'est quoi Shabbat? Ben, c'est toutes ces interdictions, et puis c'est le couscous et la daf. Ça veut dire que je suis en train de faire des expériences diverses et variées, et finalement, mon Shabbat, c'est l'ensemble de tout ce que je ressens.
Mais c'est quoi le Shabbat? J'ai jamais vu Shabbat. J'ai jamais senti Shabbat. Pour moi, Shabbat, c'est un ensemble d'expériences différentes de la semaine. Ah, ça me donne un goût, ça me change, etc. Oui, vous avez raison. Mais c'est quoi Shabbat? C'est rien de tout ça. Shabbat, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi? Je suis rentré dans la même dimension que les Grecs qui disent « Je ne sais que ce que je vois. Je ne crois que ce que je vois. » Et en vérité, les Grecs, c'est tout à fait... Il faut savoir que... Je ne sais pas si vous avez... J'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Les Grecs, c'est qui aujourd'hui, ça? Les Grecs, c'est Grecs, les Grecs. Monsieur Guy, vous êtes gentil, mais c'est qui les Grecs? Où sont les Grecs? C'est une civilisation qui a disparu il y a des milliers d'années. Arrêtons d'en parler, ça a été suffisant. Bon. La plupart des gens, ils pensent que c'est tout simplement un problème de souvenir, au devoir de mémoire, je ne sais pas ce qu'ils appellent ça. On célèbre, on cérémonie, à la mémoire, il y a ici un miracle, on remercie Hachem, merci mon Dieu, de nous avoir rendu service, magnifique. Bravo, taille. C'est extrêmement concret et d'aujourd'hui. Et si vous avez un doute, je vais vous le lever tout de suite. Mais alors, tout de suite, et tout de suite. J'avais jamais compris cette façon si claire. Il y a un Rambam dans Ilchot Yom HaKippur. Regardez ce Rambam, Perek Bet de Ilchot Yom HaKippur. Il dit qu'à l'époque du Second Temple, 7 minutes, la minute est apparue. C'est quoi la minute? Minute. C'est quoi minute? Minute, c'est l'hérétique. Mais c'est quoi l'hérétique? Le premier hérétique s'appelle Tzadok, monsieur Tzadok, le Sadducéen. Et cet hérétique, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, moi, la Torah, j'en veux pas. Dieu, je n'en veux plus. Je me débarrasse de ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de vendre son produit en disant, moi, je crois à la Torah écrite, je ne crois pas à la Torah orale. Il commence à organiser une relation avec Hachem, une relation avec le divin, mais en évacuant totalement la Torah orale. Minute, c'est quelqu'un qui est en fait un hérétique, qui ne veut pas croire, qui ne croit en rien, mais qui organise une sorte, une forme de religion, une forme d'action, mais dans laquelle il n'y a rien derrière. Ça, il n'y a rien. C'est juste parce que ce n'est pas vendable. Il dit, à l'époque, Tzadok, il dit, comment je vais dire aux gens, ne croyez plus en Dieu? C'est plus possible. Donc, je leur dis, voilà, la Torah écrite, oui, la Torah oralement. Mais en réalité, cette Torah, elle vaut quoi? Zéro. Il n'y a plus rien. Il a enlevé toute la lumière, toute la force qu'il y a dans la Torah. Ça, c'est arrivé, vous savez, à quelle époque? Au début du Second Temple. Au début du Second Temple, 7-5 minutes. Pour être précis, c'est Antinoch Issoro, c'est l'élève de Shimon HaTzadik, mais tout au début du Second Temple. Et ça, les Grecs, ce n'est pas des personnes seulement, c'est une approche. Quelle approche? Je voudrais quand même que vous sachiez que Noir, vous vous rappelez, il a eu Shem, Ham et Yefet. On est bien d'accord, il a eu trois fils. Nous, on est descendants de Shem, Ham, on sait ce que c'est, Yefet. Yefet, qu'est-ce qu'il a eu comme fils? Il a eu plusieurs fils, dont Yavan, et Magog. Vous avez entendu parler de Gog et Magog? Alors sachez que Magog, c'est un fils de Yéphet. Bon. Donc normalement, on devrait le retrouver à la fin des temps, M. Magog, d'accord, ou des Magog, enfin en tout cas M. Magog, qui va venir et qui va réunir toutes les civilisations, Kol Umat HaOlam, tous les peuples du monde, et il va tous les réunir contre Hachem et contre le Mashiach, ni plus ni moins. Ça va être le fédérateur de toutes les nations du monde. Et c'est qui Magog? C'est le fils de Yéphet, donc aussi le frère de Yavan. Il faut savoir que Yavan, les Grecs, n'est autre que, on va dire, le meilleur fils, le fils le plus abouti de Yéphet. C'est Yéphet dans son sens le plus abouti, ça c'est Yavan. Et Magog, c'est celui qui va terminer l'histoire dans la fameuse guerre de Gog et Magog. Donc on est vraiment dans une situation très importante, fondamentale. Les Grecs, ils ont instauré, ils ont mis en place, ils ont favorisé ce qu'on appelle la minute, la chashecha, l'obscurité. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs façons d'être juif. Il y a plusieurs façons d'être juif. Mais le problème, c'est que depuis des années, on ne se rend pas compte, même les juifs qui accomplissent les mitzvot, je parle des gens qui font les mitzvot, des gens qui étudient la Torah, je dis bien des gens qui étudient la Torah, des gens qui sont fervents, yirei shamayim, craignent Dieu, mais qui sont influencés quand même par cette approche. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que à aucun moment, il faut dire ce que je veux dire, on peut vivre tout ce que j'ai décrit, accomplir les mitzvot, étudier la Torah, être yirei shamayim, craindre Hachem, et être yavani,
Comment c'est possible, monsieur Rabin? Comment c'est possible? Donc, si toute mon approche dans la Torah et les mitzvot, c'est celui qui est dans un champ obscur, mais on lui dit qu'il faut mettre les tefillin, mais les tefillin. On lui dit qu'il faut faire Shabbat, les Shabbat. Mais Shabbat, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments interdits ou de choses qu'il faut faire. Les tefillin, c'est un ensemble d'halakhot qu'il faut faire, d'autres qu'il ne faut pas faire. On n'a pas le droit de penser à certaines choses, on n'a pas le droit de rentrer dans certains moments devant les tefillin. Et je fais la liste, toute la liste. Finalement, son rapport avec Hachem, son rapport avec les mitzvot, c'est quoi? C'est uniquement des expériences, les unes à côté des autres. Et après, lorsqu'il retient à la fin, c'est quoi? Moi, je suis quelqu'un qui est bien encadré. Moi, je suis quelqu'un de bien encadré. Pourquoi? Parce que je fais ce qu'il faut faire, je ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire, et finalement, j'ai des retours, effectivement, je suis encadré. Je suis dans un cadre. Ça, c'est vrai. Donc, il est protégé de quelque chose. Mais il y a quelque chose qui lui manque. C'est qu'il ne voit pas, il n'a pas allumé la lumière, il ne sent pas ce qu'il y a derrière tout ça. Il voit tout ça, mais il ne sent pas ce qu'il y a derrière. Il ne voit pas ce que ça veut dire, ce que ça crée. C'est juste que c'est grave. On m'a dit, si je transgresse Shabbat, je vais passer au Guéhinnom, c'est dangereux, etc. Il peut même aller à en faire plus. Même il est quelqu'un qui va au-delà de la mitzvah. Il va être un chassid, il va être mahmir. Mais quelle est son appréhension des choses? C'est comme le sahal, comme celui qui est dans l'obscurité. Il tâtonne. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre où je vais arriver. Yosef Hatzadik, pourquoi est-ce qu'il s'est pris 2 ans de plus? Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Alors regardez-moi, prenez avec moi encore une intègre. Yosef Hatzadik, comment il agit? C'est décrit, prenez la page, là, surtout la page, c'est la page 3. Page 3, référence 3. Yosef ou Rav Mitzrayim. Yosef a été descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte. On l'a fait descendre en Égypte. Veikne ou Potiphar. Potiphar l'a acheté. Veille Hachem et Yosef veille Ish Matsiyah. Veille Radonav qui Hachem ito. Son maître a vu qu'Hachem était avec lui. Alors vous savez bien comment ça se passait. Shelo Haya Shemo Shela Kadosh Baruch Hu Zaz Mipiv. Le nom d'Hachem ne quittait pas sa bouche. Ça veut dire Haya Nichnas et Shamsho. On imagine. Donc Yosef, il rentre chez M. Potiphar. Pourquoi? Pour le servir. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Vous voyez, ses lèvres bougeaient. Vaya melachesh vomer. Il était en train de bouger les lèvres. Ribon haolam, maître du monde, ateu bitroni, ateu patroni. Tu es mon maître, j'ai confiance en toi, tu es mon patron. Patroni. Donc vous imaginez Yosef, il rentre chez Potiphar. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Des petits mots, on ne sait pas ce qu'il dit, il est à voix basse. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu es mon maître. Tu es mon patron. Voilà ce qu'il dit. Yosef Hatzadik, Hachem Ito, Dieu est avec lui, ça veut dire qu'il dit le nom d'Hachem. Il parle à Hachem tout le temps. À chaque instant, il est avec Akadosh Baruch Hu, comme ça. Il parle avec lui. Il est en train de servir Potiphar. Il dit, mais mon patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Bon. À un moment, Yosef Hatzadik demande à un maître échanson, s'il te plaît, parle de moi à Pharaon, dis-lui que je suis là, qu'il me sauve d'ici. Tout de suite, on lui dit, monsieur, Yosef, tu as demandé à ce maître échanson, mais pourtant, ta marque de fabrique, ta force à toi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu, bitachon, n'est-ce pas? Tu as confiance en Dieu, oui ou non? Oui, tu as confiance en Dieu. Comment tu as pu lui demander? Mais attendez, c'est Ishtadout. Donc, c'est écrit qu'il faut faire un peu d'efforts. Ishtadout, non, c'est pas ce qu'on a appris. Ishtadout, c'est quoi Ishtadout? Faire des efforts physiques, normaux. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a fait Milchama, il a donné des cadeaux à Esav, n'est-ce pas? Alors pourquoi moi j'aurais pas le droit de demander au Sarah Mashkin? Quel problème? Alors le Chazon Ish dit que c'est parce que on sait que les Égyptiens n'ont aucune reconnaissance. On sait que les Égyptiens, ils vont oublier. Donc ça ne sert à rien. Il y a 90% de chances, voire 95% de chances qu'ils vont t'oublier. Donc arrête de faire quelque chose qui n'a pas de chance de réussir. Tu fais une ishtadlut, c'est-à-dire une démarche folle, une démarche de désespoir, parce que si tu réfléchis, si vraiment il y avait de grandes chances qu'il se rappelle de toi, d'accord. Mais la preuve, il a oublié tout de suite après. Tu n'as pas à faire une démarche de désespoir. Tu dois faire une démarche logique, une démarche qui s'entend, une démarche rationnelle, mais pas de désespoir. Là, tu es désespéré. La preuve, c'est que tu demandes à quelqu'un où on sait comment il sait, on connaît sa nature. Ne lui demande pas. D'autant plus que toi, Yosef, ta marque de fabrique, ta force à toi, Yosef, c'est quoi?
on t'entend parler à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Tu dis, Hachem, t'es mon patron, t'es mon maître, t'es mon ceci. Toi, ton niveau à toi, ce n'est pas acceptable. Peut-être que si Ariel Gel avait fait, on aurait dit, c'est une mitzvah gdola. Peut-être que si vous l'avez fait, c'est une mitzvah. Mais Yosef Hatzadik, ce n'est pas sa madriga, ce n'est pas son niveau. Lui, il doit marcher, il marche avec Hachem tout le temps. Il doit dire, je ne fais aucune, c'est Hachem qui doit agir. Vous entendez, ça c'est l'obligation de Yosef. Yosef, parce qu'il est grand. Et puis en plus, on sait que les Égyptiens ne sont pas des gens sur qui on peut s'appuyer. Est-ce que c'est clair? Donc, Yosef Hatzadik se prend 2 ans d'obscurité. C'est-à-dire quoi? On l'envoie en prison. Et pendant cette période, Yosef Hatzadik ressent qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne de lui. Il a craqué, Hachem s'éloigne de lui. Et Yosef Hatzadik, il a les boules. Il s'est dit, non, il faut que je retrouve cette proximité avec Hachem. Il faut que je retrouve cette zikaron. Là, il y a une shikra, il y a un éloignement. Il faut que je me retrouve, il faut que je me rapproche. Donc Yosef Hatzadik, pendant ces 2 ans, travaille sur son bitachon. Il travaille encore. Et tout d'un coup, ça vient vraiment comme un coup de tonnerre. C'est Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. On le sort de son trou et on le met à la lumière. On le rase, on l'habille, on le lave, etc. Et on l'amène chez Pharaon. Donc il faut quand même tenir le choc. Hein. On sort de 12 ans de prison. On est dans le puits, parce que c'était des puits, hein, les prisons à l'époque, c'était dans le sous-sol. On le sort. Il est chez devant Pharaon. Et qu'est-ce qu'il dit devant Pharaon? Il dit, Pharaon lui dit, alors, il paraît que tu sais résoudre des rêves. J'ai entendu que tu étais quelqu'un de sage, d'intelligent. Il répond, non, c'est pas. Moi, vous vous êtes trompé, c'est pas moi. Moi, j'ai simplement Elohim qui m'accompagne. Ça veut dire que, dans le choc de ce passage d'une prison obscure, après 12 ans, et devant Pharaon, le roi d'Égypte, le roi du monde finalement, on est à ce moment-là, dans un moment où finalement il a intérêt plutôt à dire que c'est lui qui est intelligent, que effectivement, il est très intelligent. À cet instant-là, il est tellement avec Akadosh Baruch Hu qu'il ne veut pas dire autre chose qu'il est. Non, c'est pas moi, je suis rien. À cet instant-là, il a fait le tikkun de la faute des 2 ans, qui lui ont coûté 2 ans, cette démarche d'aller vers les Égyptiens. Ça, il a fait le tikkun, il a réparé tout ça. Il est sorti de la shirecha, de l'oubli, vers la zechira. Et comment il a fait ça? À travers l'expérience de la shirecha. La shirecha, l'obscurité, lui a permis de découvrir qu'il y avait autre chose. Ce que je veux dire à Botaï, c'est la chose suivante. Toute l'expérience de la Chanukah, ce jeu d'obscurité, de lumière, ce problème des Grecs et pas des Grecs. Les Grecs, ce n'est pas une civilisation qui a disparu. Parce que tout ce qu'ils ont donné et professé, les Romains l'ont repris. Et les Romains l'ont diffusé. Et les Romains l'ont donné à ceux qui les ont succédé. Tout ce qu'il y a de Chacham, toutes les découvertes, c'est eux qui les ont trouvées. Et en réalité, la Grèce, c'est beaucoup plus d'actualité que vous pensez, parce que le Rav nous a dit que depuis 300 ans, très bien, depuis 300 ans, le poison grec est revenu de façon beaucoup plus forte qu'il n'était jamais venu. Depuis 300 ans, c'est-à-dire depuis 300 ans, cette force-là s'est renouvelée et elle a trouvé encore des forces nouvelles qu'on n'avait jamais connues. C'est impressionnant de voir le nombre de juifs qui sont attirés par des systèmes qu'on appelle minout. C'est quoi minout? C'est l'hérédité. C'est pas quelqu'un qui ne prend rien, c'est quelqu'un qui prend une partie, qui déforme, qui adapte, qui arrange, qui fait, qui machin. C'est quelque chose d'assez de sournois. C'est pas quelqu'un qui dit, bon écoutez, la Torah, vous êtes, ça me saoule, je veux pas. Ça me fatigue. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui va créer un système dans lequel, finalement, on fait mais sans faire. On prend quelque chose mais pas totalement. Vous voyez ce que je veux dire? On fait sans adhérer. On tâtonne sans voir la lumière qu'il y a derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la grande problématique ici. C'est qu'on est depuis 300 ans, on a retrouvé avec beaucoup plus de force cette Grèce. Parce que qu'est-ce que veut faire la Grèce? Regardez bien le mot du Sfatemet. Sfatemet, il dit un mot, c'est comment il sait se faire les Sfatemet, il dit un mot, ça change tout. Regardez à la page 3, référence 4, c'est le Sfatemet qui dit « Leashkicham Toratecha, Torah de Itba Shichecha ». Une Torah dans laquelle il y a l'oubli. C'est une forme de Torah, mais dans laquelle il y a l'oubli. Ça veut dire quoi, Torah des Bashichecha? Il explique là-bas le Sfat Ma'arot. Torah des Bashichecha, Zuhanusach Arsani, Shalash Kapat Yavan. Voilà l'approche destructrice de l'approche de Yavan. Shelo Bikshala Akor Atzman, Shedivre Torah. Écoutez bien cette phrase, elle fait tout comprendre.
Ils n'ont pas voulu déraciner les divrei Torah. Aval sha'afah lifshot me'alehem et marzlotzer naruchaniot. Elle a voulu les déshabiller de leurs habits spirituels. Umimela la shok me'alehem et sekulot azechira shiruchaniot haTorah me'iva. Elle a voulu enlever la zechira accompagnée à la Torah. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que je peux aujourd'hui, ça le Rav il me dit d'une façon terrible il y a un an et demi, on avait une séance de questions-réponses, et le Rav Shapira, on lui demandait, mais vous, comment vous analysez la situation aujourd'hui? Il disait, je n'ai jamais vu une génération où il pourrait y avoir un Bachur Yeshiva, voilà, c'est des mots, c'est exactement ce qu'il a dit, des mots, un Bachur Yeshiva qui étudie la Torah jour et nuit, et sérieusement, et qui peut, du jour au lendemain, manger du porc à Kippour. Parce que c'est quelque chose qu'il a vécu, hein, papa, c'est quelque chose qu'il a, vu. Je ne comprends pas comment c'est possible de vivre une situation où des gens qui font Torah et Mitzvot, du jour au lendemain, et qui font bien, ils sont dans des familles, hein, du jour au lendemain, on peut les retrouver, manger du porc à Kippour. Il dit, c'est quelque chose d'incroyable. Et il m'a dit, lui, pour lui, c'est pas un fait, c'est évidemment un fait exceptionnel, on est bien d'accord, mais ce qui veut dire, ça révèle, c'est pas juste un accident, c'est révélateur d'une génération. Laquelle? Et c'est en fait, maintenant je comprends bien ce qu'il voulait dire, parce que je relis plusieurs choses qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aujourd'hui beaucoup de gens qui font, et qui font d'une façon très assidue, et même en allant loin dans l'accomplissement, dans les détails, mais qui ne s'attachent en rien à ce qu'ils font. Donc c'est une Torah shiyesh vashikha. C'est pas une Torah qui nous rapproche, c'est une Torah d'oubli, c'est une Torah en fait de distance. Et à la limite, cette Torah-là, elle me met encore plus de distance. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Je prends toujours, excusez-moi, cet exemple d'un couple. Bon, parce que c'est quelque chose d'assez proche de nous. Donc on a un homme et une femme qui ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus, ils sont ensemble. Mais lui et elle gardent toutes les apparences parce qu'ils veulent que les enfants ne voient pas ce qui se passe. N'est-ce pas? Donc, ils font tout comme si. N'est-ce pas? Donc, ils font des détails, a priori de choses. Mais les enfants ne se rendent pas, parce qu'ils veulent surtout pas que les enfants se rendent compte que leur couple est mort. Je vous dis, mamache, plus ils font ces actes, plus cet acte est fait sans qu'il y ait derrière de l'amour, plus la distance s'approfondit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si quelqu'un il fait ce qu'un couple doit faire, sans la moindre amour, il vaut mieux ne rien faire, se séparer, que de faire ça. Parce que plus ils le font, plus ça fait réapparaître à quel point c'est lié. Vous voyez, lorsque vous dites une phrase, d'accord, je t'aime, et on sait que c'est faux, et ça, c'est tout, c'est quelque chose qui me rend un peu plus de haine, quoi. C'est détestable. Au moins, ne joue pas un jeu, parce que c'est pas simplement le fait du problème de jouer un jeu, c'est que finalement, ça creuse un peu plus, la distance se fait plus grande encore, parce qu'on entend des choses qui sont des actes normalement d'amour, mais qui sont creux, qui ne valent rien, qui n'en présente rien, qui n'exprime rien. Et ça, Rabotai, je sais que c'est un exemple qui fait peur, qui est fort, mais en réalité, c'est ça que le Rav va nous dire. C'est qu'en fait, on peut faire des choses qui sont de l'ordre du tâtonnement, mais la Torah, ce qu'elle veut, c'est pas qu'on tâtonne à travers des pratiques, c'est qu'on perçoive le sens des choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vais vous demander d'être très franc avec vous-même. Vous vivez Shabbat comme moi, chaque Shabbat. Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui, vous faites Shabbat régulièrement, de vous dire que finalement, ce ne serait pas normal, par exemple, qu'un Shabbat, bon, finalement, je lis la Midrash rapidement, que je me pose la question de savoir, mais pourquoi je fais Shabbat? Bon, c'est facile, vous allez répondre rapidement, oui. Mais est-ce qu'un Shabbat, par exemple, je lui dis que normalement, j'aimerais ressentir un petit peu ce que c'est Shabbat? Donc, comment je le ressens? Pas seulement parce que je me repose, parce que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, mais c'est quoi le message du Shabbat? Est-ce qu'avec les années, on continue à approfondir le message Shabbat? Non. On l'a entendu une fois, on a compris, bon, c'est pas très compliqué que ça, et on passe, n'est-ce pas? Ça ne nous manque pas, en fait. Finalement, ça ne nous manque plus. Et plus on crée un judaïsme, entre guillemets, de façade, plus ça se vide à l'intérieur. Et plus le lien est faux. Et plus c'est, tout simplement, rocher, sans or. Et nous, on pense que ça vient, on va dire, parce que c'est normal, c'est la routine, alors on s'est habitué, donc ça, on ressent plus. C'est faux. C'est qu'en fait, on est dans une génération qui nous amène à ça. On est dans un système qui est beaucoup plus profond qu'on pense. Parce que on est prêt, on reconnaît que dans la vie, il faut des cadres, il faut une organisation dans sa vie, et que finalement, la religion, elle nous cadre bien. Et finalement, c'est bien d'avoir un bon cadre.
Mais on ne se rend pas compte à quel point ce cadre-là, sans qu'il y ait derrière une pnimiyout, une intériorité, est quelque chose de dangereux, qui se retourne contre nous. Et vous savez qui le voit ? Nos enfants. Nos enfants, ils voient très bien ce qui se passe, et ils sentent qu'il y a un gros grand vide, et ils sentent que c'est une Torah shrucha, une Torah de shichecha, et pas une Torah de hera, Torah d'oubli, pas une Torah de zechira. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Ça, il faut vraiment que vous compreniez ce que je dis, parce que là, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que je sens que franchement... Voilà, prenons un exemple, voilà. Un exemple aussi très parlant. Vous faites un office, on fait une fila. La plupart des fois, on n'a pas de kavana. Donc on s'habitue à dire des mots très vite, et plus à la synagogue rapide. Des fois, par exemple, des gens disent, mais vous savez, vous avez été très lent aujourd'hui, c'est pas normal, cette synagogue est lente, le rabbin, il a pris, je sais pas, le temps, il nous a pris le temps, il veut... Bon, c'est des phrases qu'on entend souvent. Moi, j'analyse la chose suivante. La tefila, évidemment, c'était au départ, ça a été mis en place pour créer un lien avec Akadosh Baruch Hu, on est d'accord. Créer un lien avec lui. Avec le temps, qu'est-ce que ça devient ? Une récitation de mots à grande vitesse. TGV, tefila, grande vitesse. Et donc, on fait ça, et on essaye de et finalement, on se dit, bon, j'ai pas eu de kavana, mais c'est pas grave, parce que finalement, j'ai pas eu beaucoup de kavana, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à force de faire des choses où vous allez vers Hachem, mais sans qu'il y ait derrière la kavana, c'est pas que c'est anodin, c'est que c'est ça se creuse, c'est que la chose devient de moins en moins meira, de moins en moins éclairante. Donc de plus en plus, vous êtes de plus en plus, on est de plus en plus étranger à la chose. L'étrangeté, c'est-à-dire l'indifférence et la froideur s'installe, ça devient de plus en plus frigorifié. À tel point qu'à la limite, des fois, on se dit, mais on aimerait bien des balles, tu vois. On les voit arriver tout frais, ils ont ça, une chaleur, une envie, un enthousiasme. On se dit, ah, on a l'impression que ça leur parle, c'est quelque chose qui leur parle. Et nous, on se sent un petit peu sur le côté de la route, on se dit, mais dommage. La tefila, c'était un très très bon chemin, une très bonne manière qu'à quelque chose qu'on m'a tendu, m'a organisé pour lui parler. Et aujourd'hui, je suis tellement habitué à la faire n'importe comment. Que ne me parle plus, et je ne sais plus comment faire pour prier, parce qu'aujourd'hui, pour moi, prier, ça veut dire des mots rapidement. Donc, j'arrive même, lui, qui découvre, il trouve dans la fila une force, un lien, et moi, qui me suis tellement habitué à voir en cela une sorte d'obligation dont il faut se défaire rapidement, je n'arrive plus à trouver de riout. J'essaye, mais des fois, je me concentre, je me concentre, je prends la traduction des mots, mais je me dis, bon, je sais fait quoi, j'ai fait que lire, avant, je ne pensais pas la traduction, maintenant, je pense aussi la traduction, mais ça ne me parle plus non plus. Oui, c'est-à-dire, c'est ça qui est terrible. Et tout cela vient du fait que les Yevanim n'ont pas simplement amené une chorma, il faut bien que vous compreniez. La sagesse grecque, ce n'est pas seulement une sagesse, c'est une appréhension, une façon de se relier aux choses. Les Grecs disent, très bien, Katvu al keren hashor, écrivez sur la corne du taureau, She'en lachem chelek ba'ashem elokei Israël. Écoutez bien cette phrase, maintenant je vais la relire. Écrivez sur la corne du taureau. Le taureau, il faut bien comprendre ce que ça représente dans l'esprit des Chachamim. Le taureau, c'est la source la plus, on va dire, la plus généreuse de produits de consommation. Parce que le taureau, évidemment, c'est la vache, c'est-à-dire que c'est le lait, c'est la viande, et c'est celui qui tire la charrue. Vous comprenez ? Il a le lait, la viande, il tire la charrue, il est tout ce qui est, on va dire, un résumé d'une réussite économique, d'accord ? C'est ce qu'il y a de plus proche du Olam Hazeh, quoi. C'est le symbole de ce monde, du Olam Hazeh, d'accord ? Donc, les Grecs disent, nous on est prêts, c'est bien ce que je dis parce que là c'est fin, nous on est prêts à vous voir pratiquer la mitzvot, faites la Torah, enseignez la Torah, plus que ça, vous entendez ce qu'ils disent ? Ils disent, mais enseignez la Torah, oui, enseignez-la, aucun problème. Mais attention, soyez comme nous, c'est-à-dire ayez une approche de la Torah loin de la lumière, mais que l'approche de celui qui est dans l'obscurité. C'est-à-dire, agissez, faites, mais attention, que ça reste purement dans l'ambiance rochère. Tant que ce n'est pas or, il n'y a aucun problème. On n'a aucun risque, on n'a aucun problème. Elachem chelek, vous n'avez pas de part, vous n'avez pas une partie de l'Oké Israël. Vous n'avez pas pris, en prenant la Torah, vous n'avez pas un morceau d'Hachem. Vous avez la Torah, vous n'avez pas un morceau d'Hachem. Vous avez cette phrase. En lachem chelek ve'Elokei Israël. L'Elokei Israël existe, Dieu d'Israël existe.
Nous, on voudrait que vous ayez la Torah, que vous la pratiquiez, que vous la faisiez. Aucun problème. Mais juste, ne mangez pas Hachem. Ne prenez pas un morceau d'Hachem en prenant la Torah. Sortez, c'est-à-dire séparez la Torah de l'Oké Israël. Alors là, on est... Ça, il n'y a aucun problème. Vous entendez cette provoque. C'est quelque chose d'extrêmement fin, mais j'aimerais que vous compreniez. Parce qu'en fait, ce qui est le plus puissant, voilà, ce qui est beaucoup plus puissant, parce que lorsque des gens viennent, voilà, c'est très simple. Je vais aller chez quelqu'un et je vais lui dire, tu sais, arrête de faire la Torah, affaire de faire une mitzvot, qu'est-ce qui va, ça va développer chez lui? La rébellion. Il va dire, non, je veux la faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va juste le pousser à faire plus. C'est beaucoup plus efficace de lui dire, fais, agis, pas de problème. Mais faire en sorte de l'amener vers une pratique qui soit complètement, qui ne lui donne pas un morceau d'Hachem, voilà. Qui soit simplement détaché. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, la Torah comme un mode de vie. La Torah comme une sagesse, une intelligence, quelque chose d'intelligent. Très bien. Et vous comprenez, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas simplement que Yévanim, c'est la grecque. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils veulent, on va dire, notre façon d'aborder la Torah et les mitzvot, c'est plutôt une façon de nous protéger. Vous voyez, on est dans une chambre obscure, c'est on est dans un monde obscur qui nous fait peur, on se dit, on va se protéger. On va mettre les tefillin, ça va nous protéger. On va faire Shabbat, ça va nous protéger. On va faire les tefillah, ça va nous protéger. On va parler à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez que c'est qu'une protection parce qu'on sent qu'on est dans un endroit obscur, on a besoin de se protéger. Mais de comprendre quelque chose, d'être meilleur, on n'a aucune lumière. On se protège, on se met à cadre, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est que ça, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est le très très grand danger. Maintenant, Rabotai, je voudrais d'abord vous résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, les différents éléments, et vous montrer comment j'ai construit mon cours et arrivé à la conclusion. J'ai commencé mon cours en vous parlant du Rambam. Je vous ai parlé du mot batlou datam, bitoul. Bitoul, c'est annulation. Lorsque vous faites bitoul chametz, ça veut dire quoi vous faites bitoul chametz, vous dites ce chametz, c'est comme la poussière de la terre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Le chametz, ça vous aide, ça vous aide. Ça vaut 10 000 euros. J'ai une usine, j'ai un entrepôt, pardon. J'ai là-bas des biscuits que je vais vendre près de Pessah. Ça vaut 10 000 euros. 10 000 euros, c'est la poussière de la terre. Enfin, vous êtes gentil. Non, considérez ça comme la poussière de la terre. Batlou datam, c'est qu'ils ont voulu faire un bitoul. C'est-à-dire leur dire, votre religion, faites le bitoul. C'est Afra Dara. Ça existe. Continuez à la faire, mais regardez-la comme le Hametz. On regarde la part, faites bitoul. Regardez votre religion comme quelque chose qu'il va falloir annuler, quelque chose, il va falloir disparaître. C'est quoi? Les Hashkicham, oublier. C'est pas oublier, pas oublier, on ne peut pas forcer quelqu'un à oublier. Non. Les Hashkicham, j'ai expliqué qu'en fait, ça voulait dire, quelque part, passer par la Stira. Donner un coup sur le fœtus qui oublie tout. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie? Pourquoi est-ce que le fœtus oublie? Parce qu'il passe par la force de la parole. Or la parole c'est quoi? C'est comme tâtonner dans l'obscurité, ajouter une phrase à une autre. Mais je ne ressens rien, je ne vois rien, je ne perçois rien. Juste, j'arrange les choses, vous voyez ce que je veux dire, j'organise les choses, mais je ne perçois rien, je ne vois rien. C'est celui qui est dans le description, mais qui est une description froide, et pas celui qui est dans la vision. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsqu'on est dans une vision très forte, on ne peut pas parler. Voilà ce que j'ai voulu dire. Ensuite, je vous ai parlé du Kohelet qui dit... Je vois que la sagesse dépasse la folie. D'accord? Comme l'obscurité est mieux que la lumière. La lumière est mieux que l'obscurité. Ça veut dire quoi? La folie, ce n'est pas la folie, ce n'est pas la bêtise. La folie, c'est l'approche de celui qui est dans l'obscurité, qui tâtonne. Et le chacham, c'est celui qui travaille par la découverte du vrai. Pas celui qui n'est là que pour se protéger des différents obstacles. En clair, ce que j'aimerais obtenir après ce shiur Rabotai, c'est que vous compreniez exactement ce que dit Rambam sur Chagiga. Il y a un Rambam dans Chagiga, sur lequel je ne vous ai pas encore cité, qui est à la page 2. Je voudrais que vous compreniez bien ce qu'il veut dire. Amitakel ve'arba dvarim, ra'oui lo keilu lo ba la'olam. Celui qui voit quatre choses, regarde quatre choses, c'est il méritait de ne pas être venu au monde. Malema'ala, ce qui est en haut, malemata, ce qui est en bas, malefanim, qu'est-ce qu'il y avait avant, ou male'achor, ce qu'il y aura après. Ve'chol shelo chasak vod kono, ra'oui lo keilu lo ba la'olam. Tout celui qui n'a pas appelé, qui ne fait pas attention au kavod, au respect dû à son créateur, il mériterait de ne jamais être venu au monde.
Alors, Rambam dit, mais c'est quoi ce... C'est quoi l'explication du Mipérosh HaMishnah du Rambam? Alors, je vous explique ce que ça veut dire. Malema, là, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre le secret de la création. En comprenant exactement ce que soient ces mondes d'en haut. C'est des choses que le cerveau humain ne peut pas percevoir totalement. Il est en train simplement de penser, qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, vous me dites, avant. Avant, on m'a dit, il y avait... On n'arrive pas à percevoir, notre cerveau est limité. On nous dit, il y a toujours eu un monde, il y a toujours eu la chaîne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, que ça a toujours eu lieu. On n'est pas paramétré pour ça. Qu'est-ce qu'il y aura après? C'est pas clair. On n'est pas... Il y a des sujets qui dépassent la réalité de ce monde, qui nous dépassent. Est-ce que c'est une bonne chose de s'intéresser, de trop y penser? Le Rambam dit non, pas du tout. Ça veut dire, alors, dans la page, toujours la page de référence 3, regardez bien ce qu'il dit le Rambam, donc les dernières phrases, les dernières lignes. Beomram kol shelocha sakvot ou quatre lignes avant la fin du côté droit. Beomram kol shelocha sakvot kono rotsebo mi shelo yachus veyachmol asichlo. Celui qui n'a pas pitié de son sechel, qui a sechel kvod Hashem, le sechel d'un homme, c'est kvod Hashem, l'honneur d'Hashem, et shelo yodea shiurze adavar, shenitan lo, nishtalach mitavoto, venimshat kabeimot, vechen amro mi shelocha sakvot kono ze over aver abestan. Qu'est-ce qu'il dit, c'est Rambam, chidush atzov? Celui qui n'a pas pitié du kavod, de l'honneur à son créateur, il dit que c'est celui qui ne comprend pas que le sechel qu'il a, Hachem le lui a donné pour percevoir Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pitié de ce sechel, il le malmène son sechel. Qu'est-ce qu'il fait avec son sechel, avec son intellect? Il essaie de réfléchir à des choses qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas percevoir. Il faut savoir, il y a des choses qui nous dépassent. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y aura après? C'est quelque chose qui nous dépasse. On est paramétré pour quelque chose de limité dans le temps. On nous dit, bah, vous savez, dans le monde là-haut, il n'y a pas l'espace et il n'y a pas le temps. Vous êtes bien gentil, mais comment je vais comprendre ça avec mon cerveau? Je ne perçois pas. Donc, il faut que je dise à mon cerveau, ça tu ne penses pas. J'interdis à mon cerveau d'y penser. Parce que si je commence à y penser et soi-disant comprendre, je dérègle le cerveau et finalement, je n'ai pas de pitié, je n'ai pas de respect pour ce cerveau qui est un outil exceptionnel qu'Hachem m'a donné pour le percevoir son kavod. Hachem a donné le sechel, paramétré pour comprendre certaines choses et pas d'autres. Mais ces choses-là qu'il m'a donné à comprendre par le sechel, c'est des choses que le sechel me permet de percevoir si je ne le détraque pas. Et je le détraque si je pense à des choses que je ne peux pas comprendre et que je perds la boue. Donc, l'ocha sal kvod kono, c'est pas l'honneur de son créateur en direct, c'est l'honneur au sechel qui lui permet de découvrir kvod kono. Parce que le sechel, il y a quelque chose dans le sechel qui nous permet d'aller vers lui. Et cet élément-là, à Botaï, c'est un élément qu'on a du mal à avoir et à percevoir. C'est ce qu'on appelle « koach ha-machashava ». Et la machashava, c'est malheureusement quelque chose qui va être de plus en plus difficile à voir. Je suis désolé de vous le dire, parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois, lorsqu'on est sans arrêt sollicité par différentes choses différentes, par différentes choses comme les SMS, etc., on est sans arrêt dispersé. Et la marche avant, ça doit être quelque chose qui doit être travaillé par un long moment de réflexion et de sérénité. Et lorsqu'on arrive à comprendre et à penser, on arrive à percevoir une lumière, et non pas à percevoir ce que Hachem dit de faire, de ne pas faire, mais de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Et ça, Rabota, il faudrait qu'on arrive à le construire. Pour cela, il faut qu'on utilise bien notre sechel, qu'on soit chas al kvod kono, qu'on sache bien l'utiliser, qu'on ne le mette pas dans les choses qui n'ont aucun sens, mais qu'on l'oriente là où on doit l'orienter. Alakha lemas, conclusion pratique. Mesdames et messieurs, conclusion pratique de ce que je suis en train de vous dire, ça a des implications énormes. Parce qu'en fait, si vous avez bien compris à quel point il était dangereux de ne pas percevoir cette marche-là, de passer que par le dibour, eh bien, pratiquement, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'habituer à un judaïsme qui est purement dans l'expérience du permis et de l'interdit. Si on rentre dans ce style de judaïsme qui est seulement dans l'expérience du permis et de l'interdit, de j'essaye, non c'est assourd, là c'est permis, là c'est pas permis, là c'est moutard, que dans ce cadre-là, et qu'on ne va pas au-delà, ça devient comme un couple qui vit ensemble, mais qui fait que des choses qui n'ont aucun sens, qui n'a pas d'amour. On fait les choses, mais qui ne font que révéler à quel point c'est vide. À quel point. Et plus on s'habitue à le faire, moins ça a de chance de changer. Vous savez, le couple qui vit des vies parallèles. C'est quoi des vies parallèles? Elle vit de son côté, de son côté. Ils ont juste des genres, des choses où qu'ils font ensemble, mais qui ne représentent rien. Ils n'ont aucun sens. Comme deux parallèles, ils ne vont jamais se rencontrer. Voilà ce qu'ils sont en train de faire.
Donc nous, on est obligé de trouver un point de relation, et ce point de relation-là, il faut le créer, il faut le construire. Et pour le construire, il faut être ok, Chochmat Yavan. Il faut enlever la Chochmat Yavan. Pourquoi ? Parce que la Chochmat Yavan, c'est une Chochmat qui ne comprend que ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, et tout le reste ne le comprend pas. Et nous, on doit aller au-delà de ce que nous ressentons, au-delà de ce que nous faisons. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Et ça, ça se construit. Et pour le construire, il faut commencer à en être conscient. Et ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est déjà nous rendre conscients de cette problématique-là. Voilà ce que j'ai voulu faire ce soir. Et voilà ce que j'ai fait en fonction de ce que m'a dit le Rav. Or, Yosef HaTzadik, qui est l'exemple même dans la paracha de celui qui a fait exactement ce qu'il faut faire, il est celui qui a d'abord oublié, puis après il s'est retrouvé avec Hachem, parce qu'il lui parle tout le temps. Il y a une vraie relation. On parle tout le temps avec Hachem. Cette capacité de parler tout le temps avec Hachem va contrer cette routine qui nous met dans un cadre qui nous éloigne de lui, au lieu de nous rapprocher. Voilà ce que j'ai voulu essayer de transmettre ce soir. Alors, juste, je voulais donner une petite indication pratique. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Il y aura le Rav Nathan Bregen qui va me remplacer à 21h15, je suis haut. Il n'y aura pas cours à 20h, il y aura cours à 21h15 par le Rav Nathan Bregen. Je serai là, Bezrat Hashem, dans 2 semaines. Voilà, je vous souhaite un très très bon bonne fête de Hanouka. Thank you.